Les combats entre la Russie et l'Ukraine sont entrés dans leur troisième jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que son pays ne déposera pas les armes. Il a également déclaré sur les médias sociaux qu'il a eu un appel téléphonique avec le président français Emmanuel Macron et que les armes des alliés de l'Ukraine étaient en route. Les médias locaux font état de tirs de mitrailleuses lourdes dans différents quartiers de la capitale Kiev. Il s'agit notamment du quartier du Zoo de Kiev et de la station de métro Berestechka, près d'une unité militaire ukrainienne. Le gouvernement local a envoyé un avis d'urgence aux résidents pour qu'ils trouvent un abri anti-aérien et évitent tout risque. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense déclare que les forces russes ont capturé la ville de Mélitopol.